Vos impressions alors? Bon, en ce qui concerne les impressions, bon, j'ai pas vraiment d'impression. Mais ce qui m'impressionne, c'est que je suis impressionné. Donc du coup, plus l'impression monte, plus je suis impressionné. Donc du coup, je suis ravi. Et puis bon, hein, le projet était comment? Tu n'es même pas sûr. Non, tu n'es même pas sûr. Donc du coup, je parlais de l'impression. Bon. Ça fait 30 secondes que tu parles de l'impression. Bon, en fait, oui, c'est pour ça que c'est pour venir sur les impressions. Okay. Parce qu'il y a première impression. Deuxième impression. J'avais, oui, quoi, voilà, j'avais un personnage. Oui, c'était première impression. Bon, j'ai été impressionné. Va à l'école. La vraie magie, c'est le travail. J'ai été impressionné par la réalisatrice, bon, par le producteur, c'était la production aussi. Bon, par mon jeu, j'ai été impressionné par mon jeu. Bon, vous pouvez nous faire un petit truc de Franck là? Oh! Non, non, attends. Après, tu... Et le meilleur personnage? Punaise, mec! Punaise, mec! Vous allez vous dépêcher? Vous posez des questions sur des gens qui ne sont même pas de la famille. Mais c'est quoi ce guignol? Le dieu il bossait avec des tarés ou quoi? Je comprends que vous soyez impatient. Hein? Mais le dieu il bossait avec des tarés ou quoi? Oh, tu n'es même pas celui-là. Quelle a été votre réponse au notaire? Au notaire? Non, non, non. Là, c'est que je n'avais plus de réponse. Parce que c'est parce que si au moins on a écrit sur le scénario qu'il doit tuer le. C'est pour ça qu'il n'aime pas les films. Parce que. On laisse que je fasse la. Comment vous appelez ça? L'improvisation. Mais voilà. Franck a dit que le vieux se croyait à Hollywood. Non, parce que exactement. C'était dans le scénario. C'était la vraie vie. Mais dans la vraie vie. Même la vidéo là, j'allais casser la voix à la télé. Oui, je récupère le père. Il se sort ici. Mais là, okay, Franck, attendez. C'est vrai quand même que pour les rôles de viol, là, parce que les filles me fuient d'un. Les filles qui étaient sur le plateau. Tu peux nous refaire ton show là Je n'aime pas la violence. Donc ça veut dire que vous voulez alors que je joue à l'autre. Voilà, vas-y. Ça, c'est là le playback. Oui. Bon, il faut d'abord dire que je suis le meilleur acteur du plateau. Bah, oui. Je suis le meilleur acteur de Alice New York. C'est ça, même. Ok, bon. Il faut le combattre. Allez. Waouh. Tu es vraiment sexuellement transmissible. Je vous en prie. Amenez-moi ça là-bas, toi. Avance. Non, non. Avance. Avance. Asna. Non. Elle a coupé la dernière. Pour réécrire. Voilà. La réécriture du scénario, il fallait que. Ou alors elle a envoyé aux États-Unis et comme ça elle revient, c'est elle qui nous commande. Et ça ne peut pas se passer avec. Sauf qu'elle a oublié que Franck, ton grand frère, que je suis. Voilà. Je suis réalisateur. Et ma mère, toi tu pouvais changer le scénario du mariage. Et c'est là où nous-mêmes, comme son fils, on écrivait là que son fils est pédé là. Voilà. Parce qu'en fait, notre réécriture, son fils devait être prié. Il devait tomber amoureux de. Tu devais d'abord grader son fils. Il allait refuser. Il allait te dire que non, moi je suis amoureux de toi. Tu sais, je suis plutôt contre toute forme de violence. Alors, tu sais, la vie c'est le tien. Alors, ne me mets pas au travail. Couche-toi quand même là-bas. Ne m'oblige pas à insister. Là-bas. Ce n'est pas de ma faute si je suis milliardaire. Ce n'est pas de ma faute si je suis né musicien. Ce n'est pas de ma faute si on m'a
peu plus.